lorsque vous vous sentez souvent stressé ou dans un état d'anxiété, vous accélérez le stress. Alors, je vais vous expliquer un truc qui est complètement dingue. L'être humain a l'art et la manière de se tuer lui-même avec le stress. Vous prenez un animal, par exemple. Je ne sais pas, je dirais un lapin. L'image que j'ai en tête, un lapin, et il y a un loup qui lui court après. Bon, le lapin, il va stresser, il va courir, c'est la chaîne alimentaire, hein. Il va peut-être en réchapper, et s'il en réchappe, dans ce cas-là, il va être stressé, il va courir et se réfugier dans son terrier, et il va stresser peut-être pendant 30 secondes, une minute. Et ensuite, c'est terminé. L'animal arrête de stresser, parce qu'il sait que c'est mauvais pour lui. Mais vous, l'être humain qui est pas d'affront pour les amoureux des animaux, l'être humain est beaucoup plus intelligent. C'est pas un coquelicot, c'est pas un arbre et c'est pas un lapin. Ou une huître, ou une poule. Nous, les êtres humains, on est intelligents. Ben, je vous dis un truc, parfois on utilise très mal notre intelligence et on devrait imiter les animaux, pour le coup, moins intelligents que nous, avec moins de potentiel. Nous, on est capable de générer un stress et de le maintenir toute la semaine, toute une journée et pendant des heures, parfois pendant une année, parfois pire, toute une vie. Et c'est ainsi qu'on détruit notre système nerveux central et qu'on provoque des maladies graves. Oh, moi, tu sais, le coaching, le développement personnel, tout ça, les formations, c'est pas mon truc. Oh, c'est de la connerie, viens boire un verre, ça va être génial. Moi, j'y crois pas, c'est connerie. Et le mec, il a plus d'ongles tellement qu'il est stressé. Bah, si t'es si rationnel que ça, si t'es tellement en contrôle de ta vie, sois moins stressé. Mais je suis pas stressé, je suis pas du tout stressé, je te dis. Oui, ça se voit que t'es pas stressé, c'est vrai, c'est vrai. Non, peut-être que tu devrais voir ta méthode pour être... Je t'ai dit que j'étais pas stressé. Et en fait, voilà comment dans le déni ou dans l'ignorance, nous restons stressés toute l'année. Et je ne veux pas ça pour vous. Mais trouvez votre façon d'être moins stressé parce que ça vous détruit, sérieusement. Si vous êtes trop fatigué, trop souvent, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez une chute d'énergie après le repas le midi, et pire, si vous avez du mal à vous coucher le soir... It's time to wake up, my friend. Il est temps de vous réveiller.